Je profite l'occasion aujourd'hui devant cette CPR de meurtriers qui ont tué mon frère. Mon frère a été assassiné dans ce centre. Quelqu'un qui est malade, abattu, on l'envoie sans le traiter, on l'enferme dans une cellule isolée. Je suis là devant vous, tous, vous qui sécurisez le centre. Vous avez des frères, vous avez des sœurs, vous avez des mères et des frères. Tous, sachez que ceux qui vous ont emprisonné, vous emprisonnez ici, isolés, c'est une zone de famille. Vous aussi, un jour, Dieu va vous user. Donc, ce qui est à dire, vous avez tué mon petit frère vivant ici. Donc, en même temps, il a été privé de tous ses droits. Quelqu'un qui est abattu, il est frappé. On l'envoie au CPR sans le soigner, sans le traiter. On l'isole, on l'envoie dans une cellule isolée. Il crie là-bas, il crie devant tout le monde. Vous êtes des êtres humains. Devant vous tous, personne n'a réagi. Il vous l'avait tué. Donc, que Dieu nous demandons justice. Et que plus jamais, ces façons, vous êtes tous là arrêtés. Vous êtes des humains. On vous confie de mettre dans ce centre pour un centre de meurtriers, de centres criminels. Donc, je demande justice, que justice soit faite. Et que ces personnes que vous emprisonnez, ce n'est pas des personnes criminelles. C'est des personnes qui ont quitté leur pays pour venir à la recherche pour le bienfait de leurs parents. Donc vous les prenez sans les juger, sans les traiter. Vous les emprisonnez dans ce centre de détention illégale qui est là. Ça c'est que le CPR de Turin et la famille de Moussa Baldé ne vont jamais oublier ce centre. C'est une histoire pour vous, c'est une famille qui ne va jamais oublier que son fils a été tué dans ce centre, abandonné, privé de tous ses droits. Donc, que justice soit faite et nous demandons justice jusqu'à la dernière minute. Je vous remercie.